Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec un tuto carterie. Nous allons faire une carte de bonne année checker. Alors, je vous montre ce qu'il vous faudra. Alors, moi, j'ai pris trois petites fleurs que je vais mettre les unes sur les autres. Je vous montrerai tout à l'heure. J'ai pris un petit message bonne année, bien sûr. Et un petit pingouin. J'avais envie de petit pingouin pour la bonne année. Alors, je vais commencer. Alors, il y aura du bleu, du noir, du rouge et papier décoratif. J'ai pris de cette collection. Voilà. Cette jolie collection que j'ai reçue de Pauline pour mon anniversaire. Alors, je vous donnerai bien sûr les dimensions tout à l'heure. J'ai décidé de mettre un glue d'os sur ma fleur. Je vais mettre celui-ci qui avait des petites paillettes dedans. Ça vient de AliExpress. Bien sûr, le joyeux anniversaire, bonne année vient de cette planche de AliExpress, hein, toujours. Les fleurs, j'ai pris celle-ci qui vient de AliExpress aussi. Voilà. J'ai décidé de mettre un ruban rouge. Voilà. Et puis, c'est tout. Alors maintenant, on va passer au tuto. Alors, il vous faudra une base de carte 14,5 sur 10,5. Un morceau, cette fois je l'ai pris rouge, qui fait 14,5 sur 10,5. On va le coller. Je vous les donne fur et à mesure, comme ça sera plus simple. Je prends mon papier décoratif qui fait 14, non, oui, 10 cm sur 14. Je prends mon papier rouge maintenant qui va faire 7 cm sur 10,2 cm. Décidément, il veut pas. Voilà, c'est bon. Voilà, alors je le mets ici.
Le parmesan, il n'est pas droit. Voilà, c'est bon. Là, c'est bon. Maintenant, je prends mon papier décoratif et qui fait 10 sur 6,5. Parfait. Maintenant, après, bien sûr, il vous faut un autre 14,5 sur 7,2. Je vais déjà mettre du double face et je vais coller après. Voilà, je le mets de côté. Maintenant, je vais prendre mon ruban. Alors, je vais juste couper. Voilà. Et je vais le mettre comme ceci, ici. Voilà. Alors, je vais... couper comme ça et je couperai après. Voilà. Oups. Et je fais. Voilà. Là, et je le mets comme ceci. Là, c'est parfait. Ouais. Nickel. Alors, je vais mettre du double face. Voilà. Alors. Je vais mettre plutôt le double face comme ça. Oups. J'aurais peut-être pas dû mettre double face comme ça, mais bon, c'est pas grave parce que je vais coller quelque chose après. Voilà, là je vais coller, couper ce qui dépasse. Voilà, c'est bon. Je vais mettre mon papier rouge. Je vais le mettre ici. Voilà. Je vais mettre mon petit bonhomme de neige. En mousse 3D, bien sûr.
là et je vais le mettre ici. Voilà. Je vais coller mon bonne année. Alors, je vais prendre ce ici. Voilà. Et je le mets ici. J'aurais pu arrondir les bords, mais bon, c'est pas grave, juste comme ça. Maintenant, je vais coller mes fleurs. Alors, je vais prendre celle-ci. Je vais la mettre ici. Je pose comme ceci. Bon, normalement, je voulais une étoile de Noël, mais j'en ai pas. Malheureusement, j'ai pas de dice pour ça. Mais bon, c'est pas grave. On fait avec ce qu'on a. Alors, je vais prendre celui-ci. Voilà. Voilà, et j'ai envie de mettre un... mettre là, j'ai envie de mettre quelque chose. Ce que je mets, un strass, je pense que je vais mettre un truc comme ça. J'aime bien si je mets ça, j'ai envie de mettre ça sur les petites fleurs, peut-être un petit peu partout. Ouais, ça, ça me plaît comme ça. Manquait un peu de brillant. Alors bien sûr, ça vient de AliExpress. Voilà. Ouais, je pense que c'est tout. Voilà. Alors, je vais coller avec ma colle. Voilà.
le dernier. Ouais, je préfère comme ça. Et ça, je vais voir si ça va. Ouais, c'est bon. Oups. Voilà. Je pense que c'est tout bon. Voilà. Ouais. Ouais, c'est bon. Voilà, la carte est terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, hein. Et puis partager, et puis pourquoi pas vous abonner si vous voulez voir d'autres cartes. Voilà. Alors je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.